Ouais. Ouais, Omar. Ouais, cool ou quoi? Allez, DJ. Bon, quoi? Ouais, pépère. Alors, Boons de 10. Ouais, c'est dit haut. Ok, extrait d'amertume, on est là. En direct du Voilà, 18ème, La Chapelle, Stalingrad. Vas-y, attends, on va regarder ça. Ouais, ouais, sous le métro. Voilà. Sous le métro aérien, quoi. Sous le métro aérien, on est là, ambiance pépère. Un peu ensoleillé aujourd'hui, donc tranquille. Okay. Ouais. Normal, non, il y a un micro-climat. Regarde, lui aussi, là. Ok, yes. Cool. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Sidi O, représentant officiel et officieux de Capital Salle Entertainment. Nous avons un projet, une vision nouvelle. Toute ressemblance avec les personnages décrits et cités dans cet album ne serait pas une pure coïncidence, mesdames, messieurs. Pas de bling-bling ou d'attitude fantaisiste. Réalité est le maître mot ici. Maître mot ici. Maître mot ici. Maître mot ici. Donc moi, je suis artiste parisien. Je m'appelle Sidi O, alias Sidi Omar. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu hip-hop parisien. Et j'ai participé à pas mal de compiles, de tapes. Entre autres, Neochrome 2, 3, 9200%, des Explicit 18, pas mal de tapes, de compiles. Et enfin, là, je sors mon album solo, Extrait d'Amertume. Donc ça sort le 12 mars. Yes. Et on est sur les starting blocks, sortis dans toute la France et même en Suisse. Donc là, on est la veille de la sortie là. Ouais. Hein, ça fait comment? Donc ça sort demain. Ah là, je suis là, ça bouillonne. Tu vois, comme je disais, je suis sur les starting blocks. Ouais. J'appréhende. Ça a été long quand même entre les mixtapes et le... Oh, le métro. Ça a été long. Ça a été long entre les mixtapes et l'album un peu. Ouais, ça a été long parce que déjà à un moment, je devais sortir avec mon groupe de départ qui c'était les Rois de la Sauce. Ouais. Puis il y avait moi et Cam et Coffee Trop Style. Et au final ça s'est pas fait, ça a perdu du temps. Et en même temps là, quelques problèmes d'ordre privé. Donc, du coup ça a retardé l'échéance. Ouais, mais enfin, là ça fait 3 ans que je réunis les morceaux, je prends la tête sur l'écriture. Là je sors un truc, j'en suis content. Okay. J'en suis content et voilà, je veux le mettre, je veux le pousser au maximum, j'y crois. Ouais, les Neochrome, il y a eu un gros buzz hein, quand même sur les Neochrome. Ouais, sur les Neochrome. Pas qu'à Paris, hein. Partout. Partout. Parce que... On a bien lancé à l'époque et tout, on avait bien poussé le buzz et tout. Ouais. C'est un morceau qui s'appelait C'est la merde, avec Cam justement. Bon, c'est mon sauce des Rois de la Sauce. Et c'est à partir de là, tu t'es dit, bon, vas-y, faut t'enchaîner l'album ou... Non. C'était déjà dès le début, À cette époque-là, j'étais encore avec Neochrome, tout ça. Je devais sortir avec Neochrome à l'époque, mais après, il se trouve qu'eux, ils avaient pas trop le temps. Il se trouve qu'eux, ils avaient pas trop le temps de me mettre en avant. Moi, non, donc, du coup, moi, je suis un peu parti de mon côté. Je travaillais mes morceaux avec d'autres têtes, Quantizer, entre autres Quantizer. Ouais. Et alors, aussi, la rencontre, Quantizer, comment ça s'est fait? Bah, moi, Tariq, ça fait longtemps que je le connais. Rafi aussi, tous les mecs du studio. Ouais, voilà, les mecs du studio H24 et tout. C'est des gens avec qui je travaille depuis le départ. C'est pas des gens que j'ai rencontrés genre tardivement, là, ça fait très longtemps que je les connais. Donc, du coup, le feeling il était déjà là. Ouais, et ouais. Ça m'a fait plaisir de travailler avec eux. Et quand j'ai commencé à travailler mes morceaux avec eux, voilà, après ça s'est fait naturellement. Même si ça a mis un peu de temps, on a embrayé assez rapidement. Ouais, voilà. Alors comment s'est fait la préparation de l'album? Il y avait déjà des morceaux de prêt que tu avais enregistrés? Il y avait déjà des morceaux de prêt que j'avais enregistrés à droite à gauche. Bon, tout ce n'était pas propre, donc il y en a que j'ai dû réenregistrer, il y en a que j'ai jeté. Voilà, tu vois, c'est un peu. Il y a eu un gros taf hein, sur le son. Hein. Ah ouais, un gros taf sur le son. Le son sur au niveau de la qualité sonore, quoi. La qualité sonore, ouais. Parce que y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment, t'as vu, c'est niveau sonore. C'est sale. Mais c'est parce que c'est la multiplication des home studios. Maintenant, tout le monde fait des petits home studios. Maintenant tout le monde fait des petits home studios où la qualité elle est pas forcément là, mais bon, des fois il y a l'énergie, il n'y a pas la qualité, ou l'inverse. Le meilleur c'est de réunir les deux, quoi, qu'il y ait l'énergie et qu'il y ait la qualité aussi sonore.
Pas évident. Mais voilà, là, il y a les, voilà, il y a les deux. On s'est pris la tête pour que ce soit écoutable pour tout le monde, que ce soit propre, que ce soit pas un son sale. Et que le contenu il soit avec l'énergie. La capitale sale. Ouais, capitale sale. 17e, 19e, on est Halle. Alors,